Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Qu'on soit sincère, lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent vraiment aux chrétiens de la Bible ou ils ressemblent au monde? Tant que tu n'iras pas au-delà, rien à signaler, tu verras 10 ans. Les Écritures disent que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Père, merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ces instants devant toi, Jésus. Oh Jésus. Merci de nous donner l'occasion, Seigneur, de recevoir ta parole ce matin. Oh Jésus. Oh Jésus. Saint, 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 tu es Saint, 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 oh Saint, 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 Saint. Saint, Saint, Jésus est Saint, 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 tu es Saint, Saint, répète-le, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint, il est saint, alléluia. Saint. Saint, saint. Saint, saint. Saint. La Bible dit que son nom soit sanctifié. Saint. Que son nom soit reconnu pour saint. Il dit, soyez saint car je suis saint. Saint, saint. Oh, il dit saint.
Nous sommes fils et filles du roi. Et nous disons saint, saint. Nous disons je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai et le louerai, lui seul. Et qui est et qui vient, je chanterai devant son trône à jamais, 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 nous chanterons pour toi, Seigneur. Et nous proclamerons ta sainteté, car tu es un Dieu saint, un Dieu saint, un Dieu saint, totalement séparé du mal et du péché. Merci Jésus. Oh, alléluia. Tu es un Dieu saint. Et nous approchons ce matin avec crainte et tremblement de cette sainteté. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous à cette heure, nous voulons t'écouter. Enseigne-nous, instruis-nous, ouvre-nous les yeux. Saint-Esprit, je te prie de te mouvoir et de glorifier Jésus. Bénis ces instants, bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur, on reprend nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler des trois illustrations bibliques de la vie chrétienne véritable. Trois illustrations bibliques de la vie chrétienne véritable. Trois illustrations bibliques de la vie chrétienne véritable. Quand nous parlons d'illustrations, il s'agit ici des exemples. Il s'agit ici des images que la Bible nous montre pour nous donner l'exemple de la vie chrétienne, de ce qu'elle peut représenter. Des images qui nous aident à mieux appréhender la vie chrétienne, comprendre ce que c'est la vie chrétienne. Et pour cela, nous allons lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. À 6. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 6. Alléluia. Vous y êtes? La Bible déclare ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen encore. Nous voyons à travers ces textes ce que la Bible nous dit au sujet de la chrétienté, au sujet de la marche avec Dieu. Je voudrais lire cela dans la parole de vie. La Bible dit, un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Les fruits de la récolte sont d'abord pour les cultivateurs qui a beaucoup travaillé. Et au verset 5 et 6, on dit, un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles. Alléluia. Nous voyons par ce passage l'apôtre Paul illustrer la vie chrétienne de trois manières. Et ici, il parle premièrement du soldat,
deuxièmement de l'athlète et troisièmement du laboureur. Ces trois personnes qu'il cite illustrent trois aspects ou trois domaines de la vie chrétienne. Quand on parle du soldat, on sous-entend que la vie chrétienne est un combat, est une guerre. Alléluia. Mais quand on parle de l'athlète, on sous-entend que la vie chrétienne est une course. La vie chrétienne véritable est comparée à une course. Et lorsqu'on parle du laboureur, Paul sous-entend que la vie chrétienne est comme un champ, est comme un champ. Et ce matin, nous allons voir ces trois illustrations, mais nous allons d'abord nous appesantir sur une. Et ce matin, je voudrais vous parler de la vie chrétienne véritable comme course. La vie chrétienne véritable comme course. Alléluia. La vie chrétienne véritable comme course. Dans les textes qu'on vient de lire, on voit l'apôtre Paul qui parle de l'athlète. Il dit, l'athlète ne sera pas couronné s'il ne combat pas suivant les règles. Pour Paul, les chrétiens sont comme un athlète. Alléluia. Nous sommes des athlètes engagés dans une course. Et bien souvent, cette illustration biblique revient, surtout l'apôtre Paul en parle. Nous voyons cela également dans 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27, Paul dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Il dit, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous voyons encore dans Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 3, Paul parle de la course, ou plutôt l'auteur des Hébreux parle de la course. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons, comment? Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ensuite, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, Paul ici parle encore de la course. La Bible dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je fais quoi? Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous voyez cette insistance, la Bible revient à plusieurs reprises sur cette image de la course. Ici, la vie chrétienne véritable est considérée comme une course et les chrétiens sont considérés comme un athlète. Amen. Amen. Et le fait d'être chrétien suppose que nous sommes des athlètes engagés dans une course. Nous sommes des athlètes engagés dans une course. Et notez bien, être chrétien n'est pas un titre que nous portons ou une position que nous occupons. La plupart des gens se contentent de dire « je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien » comme si c'était un titre, comme si c'était une position qu'on était censé occuper. Non, nous sommes dans une course, nous sommes acteurs, nous ne sommes pas spectateurs. Alléluia.
Nous sommes engagés dans une vraie vie, une vie chrétienne, véritable, dans laquelle nous sommes participants, nous sommes acteurs. Ce n'est pas question d'un titre que nous portons. Et ici, il compare la vie chrétienne à une course, mais pas dans le sens d'une compétition. Notez-les bien. Dans une compétition, il règne un esprit de concurrence. Mais ici, Paul compare la vie chrétienne à une course dans le sens où il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée, comme dans toutes les courses. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, voici les quelques vérités sur la vie chrétienne véritable en tant que course. Quelques vérités à savoir sur la vie chrétienne véritable en tant que course. Première vérité, la vie chrétienne véritable, si elle est une course, elle n'est pas une course de vitesse, mais elle est une course d'endurance. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire, dans la course de la vie chrétienne, ce n'est pas la vitesse qui compte. Ce n'est pas de courir vite, de chercher à être le premier qui compte. Ce n'est pas ça qui est recherché. Dans la vie chrétienne véritable, nous ne courons pas dans un esprit de vitesse, d'être le plus rapide. Non. Nous courons ici dans l'esprit d'endurance. C'est comme dans un marathon. Vous voyez les courses, les longues courses, 1500 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres. Dans ce genre de courses-là, on ne court pas vite. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est différent d'un sprint. Quand on est dans les sprints, les courses de fond, par exemple de 100 mètres, de 200 mètres, ce genre de courses-là, ce qui compte là-bas, c'est la vitesse. C'est qui démarre en premier, qui court le plus vite pour atteindre un record en termes de secondes, de rapidité. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, tu ne fais la compétition avec personne. Alléluia. Tu ne cherches pas à dépasser qui que ce soit ou à être le premier en quoi que ce soit. Non. Dans la vie chrétienne, c'est une longue marche. Et dans cette longue marche, il faut avoir la sagesse d'être endurant. Parce que c'est tellement long que si tu cours trop vite, tu t'épuiseras vite. Amen, amen. Il ne s'agit pas ici de courir n'importe comment, de chercher à être le plus rapide, de peur que tu ne puisses épuiser toutes tes forces et t'arrêter en chemin. Mais il s'agit ici d'aller avec une certaine cadence, d'aller avec une certaine sagesse, être endurant. Vous voyez comment c'est dans les marathons. On va avec une certaine cadence qu'on maintient tout au long de la course. Alléluia. Deuxième vérité. La vie chrétienne véritable, comme toute course, a un point de départ et a un point d'arrivée. Le point de départ, nous l'avons vu, c'est la conversion à Christ par la nouvelle naissance. On doit se repentir de ses péchés. On doit croire dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix et on doit se détourner de sa vie ancienne. Voilà ce que nous appelons la conversion à Christ. C'est le départ de cette course-là. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau, s'il n'y a pas un jour dans ta vie où tu t'es repenti de tes péchés, tu as reconnu que tu étais loin de Dieu, tu étais pécheur, tu as cru dans l'œuvre de la croix et tu t'es détourné de cette vie, bien aimé, ça signifie tout simplement que tu n'as jamais pris le départ de cette course. Alléluia. Le point d'arrivée, de l'autre côté, c'est l'entrée dans l'éternité avec Jésus-Christ. L'entrée dans l'éternité, c'est ça le point d'arrivée. Troisième vérité, la vie chrétienne véritable, comme toute course, elle a un objectif précis. Elle a un objectif précis. C'est une course qui a un objectif précis. Et l'objectif, nous le trouvons dans Romains chapitre 8, verset 29. Il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Soulignez cela. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. À être semblables. Nous ne le dirons pas assez.
l'objectif de cette course, dans la course chrétienne, dans la vie chrétienne véritable, c'est de ressembler à Christ. Dites Amen. Jésus est le modèle parfait. C'est le prototype par excellence. Dieu nous a montré en Jésus ce qu'il veut que nous soyons. Dieu nous a montré en Jésus sa pensée parfaite de ce qu'il veut que l'homme soit. Voilà pourquoi Christ a pris un corps pour nous donner l'exemple. Et la Bible dit dans Éphésiens 4:13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous, soulignez cela, c'est-à-dire aussi longtemps qu'on n'y est pas encore arrivé, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore atteint notre objectif, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la maison. Caractère, dans sa manière de vivre, dans sa relation avec son Père, dans la façon dont il a vécu en communion parfaite avec Dieu, dans sa relation avec les autres, avec son entourage, avec son environnement. Nous devons ressembler à Christ comme il a été dans ce monde. Comment Jésus s'est comporté? Comment Jésus a vécu? Alléluia. Troisième vérité. Quatrième, vous me suivez bien, voilà. La vie chrétienne véritable en tant que course exige de la discipline. Elle exige de la discipline. Dans 1 Corinthiens 9, 25 à 27, Paul dit tous ceux qui combattent, soulignez cela, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il s'impose. Il se discipline. Alléluia. Toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Il dit au verset 27, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. » Alléluia. Vous entendez cela? Écoutez ce que la version Parole de vie dit. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous lisons simplement le verset 25 et puis le verset 27. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 25 et puis le verset 27. Écoutez ce qui est dit dans la version Parole de vie. Parole de vie dit ceci. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Mais nous, c'est pour une récompense qui dure. Verset 27. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Quelqu'un peut dire amen. Vous entendez cela? Tous les sportifs s'entraînent. Du moins, ceux qui veulent réussir la course. Ils s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Vous voyez, la vie chrétienne est une vie de discipline. La vie chrétienne est une vie d'abnégation. Ça signifie que quand tu vis avec Christ, dans ta relation avec lui, tu dois savoir te priver de certaines choses.
des choses qui peuvent te disqualifier dans la course. Tu dois savoir refuser certaines choses. Tu dois savoir t'auto-discipliner. Et aujourd'hui, on le dit, dans le monde de la discipline, le niveau le plus élevé des disciplines, c'est l'auto-discipline. Quand vous-même, vous arrivez à vous discipliner, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui vous surveille. Vous entendez, Paul dit ici, je suis maître de mon corps, j'en suis totalement maître. Totalement maître. En d'autres termes, moi-même, j'impose des limites à ma vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Mes frères, on n'a jamais vu une époque caractérisée par l'indiscipline dans la vie chrétienne comme aujourd'hui. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, on crie à la liberté. Les gens disent, non, en Christ, je suis libre. Oui, on est libre, mais oh, attention. Nous étions esclaves de Satan. Il nous a libérés. Et dans cette liberté qu'il nous a donnée, il nous a fait esclaves de Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que désormais, nous sommes soumis à Christ. C'est une liberté par rapport à la vie passée, par rapport au joug de Satan sous lequel nous étions. Mais cela ne signifie pas que dans la vie chrétienne, nous sommes permis de toutes choses. Non. Il y a des limites auxquelles nous devons nous soumettre, nous-mêmes. Sans discipline, on ne peut pas aller de l'avant. Sans discipline, on ne peut pas réussir. Et quand on commence au début dans la vie chrétienne, on s'engage dans une église, on est formé, on est encadré, on vous soumet à une discipline, comme c'est le cas à l'école, où vous avez des maîtres, vous avez des professeurs qui vous soumettent. Mais après, il va arriver un temps où plus vous avancez, vous êtes à l'université, on commence petit à petit à relâcher. Avec l'espoir que la discipline acquise dans les bas âges, vous puissiez la reproduire plus vous grandissez. Quelqu'un peut dire amen. Mes frères, je disais à une jeune fille en famille, une petite sœur, je lui ai dit, petite qu'elle était, et aujourd'hui elle a grandi, elle est majeure. Et elle se plaignait toujours. Dans la famille, on me considère toujours comme une petite, comme un enfant, comme une petite fille, comme une petite fille. On me parle comme une petite. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de te considérer comme une adulte. Mais, en retour, je te demande, comporte-toi en adulte. Alléluia. Ça veut dire, puisque je décide de te considérer en adulte, en contrepartie, prouve-moi que j'ai raison de te considérer comme adulte. Fais des choses qui montrent que tu es adulte et on continuera à te considérer en adulte. Est-ce que vous me comprenez? Mes frères, j'aimerais vous dire, avec Dieu, il faut être sérieux. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, Dieu ne te prendra pas au sérieux. Alléluia. Il faut être sérieux. Les choses de Dieu, nous ne pouvons pas nous engager et faire tout ce qui nous vient par la tête comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop d'indiscipline dans la vie chrétienne. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens prient quand ils veulent. Les gens viennent à l'église comme ils veulent. Les gens viennent en retard à l'église. Les gens ne participent pas à l'œuvre de Dieu comme il le faut. Ils ne sont pas soumis au service qu'ils font. Ils le font quand ils veulent, quand ils ont chaud, quand ils ont froid, quand ils se sentent bien ou pas. Non! Paul dit, tous ceux qui courent s'imposent une discipline. Quand vous atteignez un niveau où la discipline a prise, vous vous l'imposez à vous-même, alors vous méritez d'être considéré comme un homme discipliné. Quelqu'un peut dire amen. Nous devons être disciplinés dans la vie chrétienne. Ça signifie qu'il y a des limites. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Nous, nous croyons toujours que dans la vie chrétienne, on est permis de tout. Non, on n'est pas permis de tout. Dès le début, Jésus l'a dit dans Matthieu 16, 24. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Qu'il se charge de sa croix et qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. Il y a une croix à porter. Il y a un renoncement à soi-même. C'est-à-dire, je dis, je ne fais plus ma volonté. Désormais, je fais la volonté de mon maître. Je fais la volonté de mon Seigneur. Je me soumets à sa volonté. Alléluia. La discipline doit être des rigueurs. Nous devons nous imposer des choses, vivre sous une règle. C'est quoi la discipline? C'est vivre comme sous une règle, sous un règlement. Et aucun athlète ne remporte des vraies victoires sans discipline.
Il faut respecter les règles du jeu. Sinon, tous les efforts de l'athlète seront réduits à néant. Il faut courir d'après les règles. Courir d'après les règles, c'est obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne des règles. Regardez dans la vie chrétienne, comment il faut marcher, comment il faut vivre. Et quand nous acceptons d'obéir à la parole, alors nous courons d'après les règles. Les athlètes font preuve de discipline au niveau du corps et au niveau de la pensée. Vous voyez? Ils acceptent le renoncement et des privations volontaires. Ils se soumettent à la rigueur des durs exercices avec de nombreuses heures d'entraînement. Ils doivent développer la maîtrise de soi. Alléluia! De nombreuses heures d'entraînement. Vous allez voir, un athlète qui désire gagner, il se prive des piments, il se prive des nourritures grasses, il refuse certaines viandes, il ne mange plus ceci, il ne mange plus, il mange utilitaire. Il ne s'empiffre pas avec n'importe quoi. Vous ne verrez jamais un athlète qui veut réussir aux États-Unis dans un McDo, un McDonald's en train de bouffer de la malbouffe là. Non! Il sait que ça, si je me donne à ça, ça risque de pouvoir m'alourdir. Ça risque de m'amener des maladies cardiovasculaires qui vont me disqualifier dans la course. Alléluia. Vous allez le voir tous les jours, très tôt matin, en train de s'entraîner. N'a-t-il pas envie de dormir? Oui, il a envie de dormir comme tout homme. Mais pourquoi il le fait? Il a un prix à remporter. Alléluia. Mais nous, chrétiens, nous sommes paresseux, nous sommes lourds, nous chrétiens, nous sommes en train d'avaler tout ce qu'on nous présente, tout ce qui vient devant de nous, nous l'acceptons, nous le prenons, nous ne faisons même pas de sélection, nous ne savons même pas choisir et différencier ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Et par conséquent, dans la course, à un moment donné, on devient lourd. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas tout accepter. Dites Amen. Dites Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il y a des relations qu'il ne faut pas accepter. C'est la discipline. Ne pensez-vous pas que, en tant que chrétiens, tous, on a envie de se laisser aller? J'aime comment la Bible le dit. L'homme livré à la chair, c'est ça l'homme charnel. Il est différent, opposé à l'homme spirituel. Nous sommes appelés à être spirituels. On ne doit pas laisser notre chair nous guider et nous orienter. Or, la chair a des demandes. Il y a des choses qu'elle désire. Malheureusement, il y a des gens qui écoutent leur chair. Même quand il faut jeûner comme on fait là, ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils regardent. Ah, vraiment, si je ne mange pas, je vais attraper. J'aurai l'hypoglycémie. Et puis il y aura ceci. Et puis il y aura cela. Comment je vais me priver? Ils ne voient que les obstacles. Mais ils ne voient pas ce qu'ils vont gagner. Frère, la chrétienté est faite des privations. Il y a des choses dont il faut se priver. Dites Amen. Il y a des choses dont il faut se priver. On ne va pas tout gober. On ne va pas tout accepter. On doit se soumettre à des durs entraînements. Des durs entraînements. Je n'ai jamais vu un athlète, un sportif quelconque, arriver à un haut niveau de performance sans se consacrer sérieusement aux entraînements. Jamais. Il n'y en a pas. Les chrétiens ont besoin de la même discipline. Combien aujourd'hui dans le monde ne voyons-nous pas des brillantes carrières en sport qui ont été subitement brisées parce que certains athlètes ne savaient pas dire non à la drogue, non au dopage, non à la corruption. Je me souviendrai toujours d'un des plus grands footballeurs de l'histoire du monde, Ronaldinho. Mes frères, ces messieurs-là, je peux vous assurer, ils jouaient au football d'une façon incroyable. Incroyable. Les jeunes gens qui sont venus après ne le connaissent peut-être pas. Mais Ronaldinho était un footballeur hors pair. Il n'y avait pas un de ceux des grands qui l'avaient précédé qui doutait de lui. Ronaldinho a été parmi les premiers joueurs qui pouvaient marquer un but à partir du point de corner. Parmi les premiers. Il est sur le point de corner, il tire, la balle va entrer. Il avait des performances incroyables. Mais regardez, sa carrière a été arrêtée en chemin. Vous savez pourquoi? La drogue, les plaisirs. Il ne voulait plus s'entraîner. Il savait qu'il était performant. Il savait qu'il était l'un des meilleurs.
quand les autres s'entraînaient, il ne venait pas. La plupart du temps, il avait beaucoup de problèmes avec son entraîneur. Le coach lui disait toujours, tu dois te comporter comme tout le monde. Il disait, non. Il pouvait se réveiller tard quand les autres étaient en train de s'entraîner. Là où les autres étaient enfermés pour s'entraîner, lui allait dans les hôtels, il passait des nuits à se faire plaisir avec des femmes. Et puis il pouvait venir à l'entraînement à n'importe quelle heure. Petit à petit, sa carrière a commencé à être entachée. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Jusqu'à ce que récemment, on l'a arrêté dans un pays de l'Afrique latine. On l'a attrapé là-bas avec des faux passeports, avec ceci. Pourquoi ? Il a manqué de discipline. Une grande carrière. Cet homme pouvait marquer le monde. Il pouvait aussi être plus que ce que Messie est aujourd'hui. Mais il n'y est jamais arrivé. Il n'y est jamais arrivé. Tout le monde dit, ce qui a manqué à Ronaldinho, c'est la discipline. Bien aimé, que l'indiscipline ne te disqualifie pas. Est-ce que tu m'entends? Chacun de nous, tel que vous êtes là, vous avez une grande destinée dans la vie chrétienne. Dieu vous appelle. Certains sont ici, ce sont des grands serviteurs de Dieu. D'autres sont ici, ça sera des grandes chantres, des grands chantres de Dieu dans le monde. D'autres sont ici, dans leur domaine, je ne sais lequel, des grands avocats. Ça sera peut-être des grands politiciens, ça sera peut-être des grands, je ne sais pas moi, dans quel domaine. Mais une chose peut vous disqualifier, c'est l'indiscipline. Si vous ne savez pas vous imposer certaines choses, alléluia. Et nous aujourd'hui, nous sommes comme des coachs. On te dit, frère, ne fais pas comme ça. Frère, ne vis pas comme ça. Ah non, on ne m'aime pas. Ah non, on doit me laisser un peu libre. Ah non, je dois faire ceci. Et puis petit à petit, vous finissez par voir quelqu'un qui était talentueux, quelqu'un qui avait des atouts, quelqu'un qui avait des charismes, des grâces que Dieu lui avait données. Mais petit à petit, il finit par chuter. Mes frères, il y a même déjà des chrétiens qui sont disqualifiés à cause de leur compromis avec le monde, avec la vie du péché. Mais celui qui est solidement convaincu de son but sera prêt à renoncer à tout ce qui peut l'empêcher de l'atteindre. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut ici aussi, les athlètes ont la discipline, pas seulement dans le corps, mais dans la pensée. Vous verrez un athlète, on dit concentration, concentration. Reste concentré, regarde à l'objectif, vois-toi en train de l'atteindre. Des fois, nous crachons dans notre chrétienté parce que nous perdons les yeux sur la finalité. Nous perdons les yeux sur l'éternité. On en a parlé ici. On oublie qu'un jour, on ne sera pas toujours là. Frère, tu vois la chaise que tu occupes là. Il va arriver un jour où tu ne l'occuperas plus. Tu vois comment tu viens à l'église tout le temps là. Tu ne viendras pas toujours toute ta vie à l'église. Il y a des moments où Dieu va te reprendre. Alléluia. Tu mourras. Si tu ne meurs pas, c'est l'enlèvement qui va arriver. Mais comment tu finiras ta course? Comment tu l'achèveras? C'est ce qui compte. Vous savez, les humains sont bizarres. Ils pensent maîtriser, contrôler des choses, mais ils sont toujours surpris. C'est comme ça que vous allez voir, la plupart de fois, nous sommes là assis comme ça. Demain, on va apprendre que l'un de nous est décédé. Mais c'est pas possible. Dimanche, on était avec lui. C'est pas possible. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu es surpris? Ne savais-tu pas que les hommes sont mortels? Le vrai problème, c'est quoi? Notre réaction souvent nous prouve que nous avons tendance à oublier cela. Si nous avions ça régulièrement, nous n'agirons pas autant, avec autant de surprises. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si on sait qu'on finit comme ça, on est surpris. J'espère que, vraiment, il avait bien fini. J'espère que. Notre vrai problème, c'est quoi? C'est qu'on perd la vision de la finalité. Et j'aime Joseph. Joseph était aussi dans la course à son époque. La Bible déclare que ce jeune homme s'est retrouvé en Égypte. Et là-bas, la grâce de Dieu était sur lui. Il a commencé fidèlement à travailler en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar. Il servait fidèlement, jusqu'à ce qu'il ait des propositions indécentes. La femme de Potiphar a commencé à jeter le regard sur lui. En passant, j'aimerais vous dire, dans la vie chrétienne, mes frères, que vous les vouliez ou pas, les tentations viendront. Le diable viendra vous titiller. Il viendra toujours essayer. Ça viendra. On ne peut pas arrêter ça. Il n'y a personne. Si Jésus, qui était le plus loin de nous tous, a été tenté, tu seras tenté, je serai tenté. Est-ce que vous me comprenez? Arrêtez de dire, mais moi je ne comprends pas, trop de tentations. Tant que tu es dans la chair, tu auras des tentations. Alléluia. Parce que le tentateur vit.
Ils sont venus, voilà qu'il est venu proposer à Joseph. La femme de Potiphar, qui était une femme de valeur, qui était une femme qui était belle, qui avait, je ne sais pas moi, des richesses et tout, elle était la femme d'un grand gouverneur, a commencé à lui faire des propositions. J'aime l'attitude de Joseph. La Bible dit Joseph refusa. Non pas une fois, plusieurs fois. Elle venait, elle revenait, jusqu'à ce qu'au jour où il lui tende un piège, elle l'appelle et enlève son vêtement. Joseph prend les risques de sortir tout nu. Mais j'aime la réponse de Joseph. Joseph parle de sa finalité. Joseph regarde à son... Il dit, comment pécherai-je devant mon Dieu et devant mon maître? Il regarde à Dieu. Il sait que si je goûte à ça, je serai disqualifié d'avec Dieu. Frère, vous savez ce qui nous tue, c'est quoi? C'est que des fois, on est trop tolérant. On est trop tolérant. On a eu un genre de chrétien aujourd'hui qui joue avec le feu. Tu vois une jeune fille, un jeune garçon, il joue au feu de l'amour. Pas marié, rien du tout. Des tripotages. Vous pensez que ceux qui sont tombés avant vous là, ils n'étaient pas spirituels, plus spirituels que vous? Nous ne sommes pas faits des bois ou de blocs de ciment. Nous sommes des hommes. Quand vous jouez avec les sentiments, mais les sentiments vont vous trahir. Alléluia. Faites attention. On a des gens, il sait déjà que l'homme qu'il appelle là est marié. Et puis après, il voit deux jours, on n'a pas appelé. Il envoie un message. C'est tant si tu ne m'as pas appelé. Mais qu'est-ce que tu fais avec un homme marié? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec les maris d'autrui? Oh non, il faut me comprendre. Moi, j'ai horreur de ces gens qui parlent comme ça. Il faut me comprendre. Te comprendre quoi? Te comprendre en quoi? Il n'y a pas de demi-mesure. C'est à prendre ou c'est à laisser. C'est comme ça dans la marche avec Dieu. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est parce que nous avons voulu faire des compromis. Et en cherchant les compromis, ne se connaissant pas, nous avons fini par glisser, on est tombé. Voilà pourquoi vous avez, à une époque de la chrétienté dans cette ville, il était né un courant. Les chrétiens coulent en Jésus. Où sont les coules aujourd'hui? Frère, je vous assure, c'était ici à la Gombe. Dans toute la génération des chrétiens coulent, 95% ont abandonné la foi. La vie chrétienne, mes frères, ce n'est pas vous qui l'avez commencé. Avant vous, il y a eu des gens. Quand Paul te dit, il faut traiter durement son corps, quand vous lisez l'expression, en anglais on dit « I punish my body », c'est-à-dire « je punis mon corps ». Mais nous aussi, on a une tendance des gens, tu sens qu'il est chrétien, il est mi-figue, mi-raisin. Un mulet, vous connaissez les mulets? C'est l'assemblage du cheval et de l'ânesse, de l'âne. L'âne et l'ânesse. Non, l'ânesse et le cheval. Quand ils s'accouplent, ils donnent le mulet. Un animal impur. On veut les compromis. Tu es une sœur en Christ, mais tu as toujours des tendances sexy. Des tendances sexy. Quand on veut te parler, oh non, 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 laissez-moi en Christ, on est libre. Non, ma sœur, c'est mauvais. C'est déjà ça, les débuts de la chute. On a des chrétiens aujourd'hui, oh, on m'accuse de ceci. Il faut être chaud. Dieu dit où tu es chaud, où tu es froid. Choisis ton camp. Ce sont des tergiversés. Joseph a dit clairement, comment pécherai-je devant Dieu, le Dieu qui m'a pris de là où j'étais, le Dieu de mes pères, le Dieu qui m'a amené ici, qui m'a fait des promesses. Il m'a donné une vision. Je veux arrêter tout ça à cause de toi. Ah non, je refuse. C'est le temps de refuser. Cette année, il faut dire non. Cette année, il faut refuser. Dites amen très fort. Oh, ceux qui n'ont pas eu, on va me considérer comme Yuma. Bazoyo, Yuma, n'a mis soabatu. Bentamba agréé. Pourquoi nous voulons paraître branchés? Moi, je n'aime pas des chrétiens branchés. Branchés à quoi? À quelle prise? À quelle cabine de courant? Chrétien coule en Jésus. Tu vois des gens, ils s'habillaient, ils avaient une démarche. Oye, papa, oye, vie chrétienne, si, au retour, n'a t'es. Groupe musical mon pasteur, on était à l'église. Il a dit, mes frères, vous allez dire tout ce que vous voulez. Moi, je sais que quand quelqu'un se convertit, tout change. Je ne suis pas d'accord avec eux. Les gens l'ont critiqué dans l'église. Pasteur exagère. Il est trop spirituel. Mais après lui, ce groupe a fait des crashs. Quand on les a vus maintenant chanter dans les mondes, faire, on a compris quelle était leur vraie source. Ça, c'est une longue course, mes frères. Alléluia. Beaucoup s'engagent, mais voici, bah, si, bah, mais pourquoi? Parce que dès le début, tu as déjà une tendance. Oh non, moi, je suis de la tendance moderne.
Vous voyez le modernisme dans la Bible. Pourquoi vous avez besoin de moderniser l'évangile? L'évangile reste un. La chrétienté reste une. On n'a pas besoin de l'actualiser. Dites amen. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Vous savez, même en étant païen, moi j'appréciais les frères qui étaient TTS. Plutôt que ceux-là qui étaient avec nous, ils étaient dans les milieux des païens et puis ils étaient parmi les chrétiens. J'ai trouvé ces gens-là des lâches. C'est des lâches. Et aujourd'hui, Dieu sait combien il y a de la lâcheté dans la chrétienté. Il y a des gens qui sont au milieu des chrétiens, vous le voyez. Ils dansent avec eux, ils boivent avec eux. Et puis il vient ici à l'église, il est comme s'il est au ciel là-bas. Cette attitude te disqualifiera. Tu dois choisir ton camp et y rester. Dis amen. Oui. Dans la vie chrétienne, quand tu choisis de marcher avec Christ, la moquerie sera là, oui. Les gens vont te considérer comme un dépassé. Tant mieux. Jésus aussi a été considéré comme ça. Les gens de son époque l'ont critiqué, l'ont traité de tous les noms. On a même dit qu'il était Belzéboul. On l'a traité de tous les noms. Mais est-ce que ça empêcha Jésus d'accomplir sa mission? À un moment donné, comprenons ce à quoi nous nous engageons. Cessons d'agir. Vous savez, il y a des gens qui sont drôles. C'est comme quelqu'un. Il est marié, mais il ne se comporte pas en marié. Tu vois, un homme ou une femme mariée, il est déjà marié, mais il entretient toujours une relation particulière avec le sexe opposé ou quelqu'un d'autre en dehors de son mariage. Non, ils ont des entretiens secrets. Ils ont... Je t'informe. C'est déjà ça le début. Et puis les gens vont dire, oh non, vous exagérez. Oui, dans la chrétienté, il faut exagérer. Si tu n'exagères pas, tu seras disqualifié. C'est ce que Paul dit là-bas. Quelqu'un peut dire amen. C'est cela. Il n'y a pas de 12 yeux à faire à quelqu'un ici. Oh non, bon, la moté ma cou, on dit ma kakakou. Et Dieu, la ma kamalo là. Oh boy, oh tikali. On dit mi ok. L'oba amen. Pas de demi-mesure. Il y a des gens qui pensent faire un cadeau à Dieu quand ils viennent à Christ. Ou alors ils pensent faire un cadeau à l'église. Ça ne changera pas le monde. Ne venons pas auprès de Dieu avec des attitudes de croire que nous ajoutons quelque chose à Dieu. Ce n'est pas en réalité lui qui a vraiment besoin de nous de manière indispensable. C'est nous qui avons besoin de lui. Sans toi, Dieu est Dieu. Dis amen. Sans toi, c'est toi qui as tout à gagner. Alors sois discipliné. Tu t'es engagé dans la voie chrétienne. Vis comme quelqu'un qui est engagé dans une course. Un vrai athlète s'autodiscipline. J'ai toujours aimé un verset de Hébreux 12 au verset 4. Écoutez ce qui est dit. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à quoi? Jusqu'au sang. Est-ce que tu as déjà résisté jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à la mort? Des fois, je me pose toujours la question, nos chrétiens que nous avons à Kinshasa ici, si la persécution vient, où on dit, tu dis que tu es chrétien, on coupe la tête. Tu vas continuer? Parce que pour des petites choses, déjà tu te disqualifies. On a des gens comme ça. Oh, je ne vais plus aller, on m'a choqué. Ils ont toujours des blessures, ils ont toujours des contusions, c'est à eux toujours. Donc on doit toujours les comprendre eux. Et on doit toujours les comprendre. On doit toujours les comprendre. Pour un rien, je suis blessé. Pour un rien, on m'a blessé. Donc on doit tout le monde, mais Zaraba, potanaba, pota. Hein? Oh! Pour un rien. Mais maintenant, quelqu'un comme ça, qui est sensible. Pasteur, le terme que vous avez employé ce jour-là, j'ai été blessé. Toi, tu en es encore au terme qui blesse. Mais quand le vrai couteau viendra, il faut qu'on coupe là. Vous voyez, les gens des chrétiens, des pains et des beurres qu'on a aujourd'hui, qui sont à longueur de journée pompés avec des belles paroles qu'ils aiment entendre, est-ce qu'ils peuvent résister à la persécution? Est-ce qu'ils peuvent résister jusqu'au sang? Toi qui veux toujours qu'on te comprenne, tu te compromets dans la chrétienté. On ne me comprend pas. Tu vas résister jusqu'au sang? Tu seras capable?
quand on va te présenter un certain montant, tu vas résister? Il semble qu'il y en a, eux, ouf, elles peuvent tenir, mais il y a un genre de voiture, elles ne tiennent pas. On va te montrer la voiture, tu vois ça, ça peut être à toi. Nous devons résister jusqu'au sang, jusqu'à payer notre vie. L'engagement à Christ ne doit pas être superficiel. Ça doit être un engagement profond qui peut te prendre la vie. Non, qui doit te prendre la vie, toute ta vie, et s'il le faut, même ta vie physique, s'il le faut. Alléluia. C'est pourquoi Paul exhortait Timothée à s'exercer dans la piété. Exerce-toi. 1 Timothée 4, 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. À tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous entendez ça? La piété. La piété, c'est quoi? C'est l'attachement à Dieu. C'est la consécration à Dieu. C'est l'engagement à Dieu. C'est la vie chrétienne. C'est la foi. Et dans la foi chrétienne, il y a des exercices que nous faisons. Paul dit, exerce-toi. Quelqu'un qui ne s'exerce pas, qui pense que les exercices, l'entraînement est ennuyeux, il vivra les conséquences sur les rings. Vous savez, quand vous n'avez pas étudié, vous voyez comment vous êtes ridicule dans la salle d'examen. Hein? Le prof entre comme ça, tu commences à parler des choses qui n'ont rien à voir. Ah, monsieur, vous êtes bien habillé. En réalité, son vrai problème, il n'est plus sûr de lui. Maintenant, il faut créer la diversion, le désordre. On apprend que, il y a un peu de trouble là-bas. Ah, je crois qu'aujourd'hui, il n'y aura pas examen. Son problème, c'est qu'il n'a pas étudié. Il va beaucoup parler. Et puis quand on va dire non, mais finalement, on a quand même décidé. Et puis voilà. Vous savez, les gens qui n'étudient pas, ils sont dans beaucoup de choses. Ce sont les gens, des personnes qui prient pour que les professeurs ne viennent pas. Tu vois les aventuriers. Il va prier qu'ils ne viennent pas. Et puis quand il va apprendre, mais il n'est pas arrivé aujourd'hui, alors ma prière, le Seigneur m'écoute. Et puis quand il entend qu'il est arrivé, aïe. On va prier pour qu'aujourd'hui il y ait grève. Moïni va demander la grève. Ou alors une circonstance. Et puis quand on va mettre les papiers, on donne. Tu sens, il s'agite, il prie, il regarde à gauche, il regarde à droite. Toujours, non, mon crayon n'est pas taillé. Il va tourner. Les vrais problèmes, il n'a pas étudié. Vous voyez? Tu perds l'assurance. Tu n'as plus rien. Devant la feuille d'examen, tu ne sais plus comment t'en sortir. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Si tu ne te donnes pas à des disciplines sérieuses dans le secret, dans ta vie secrète, tu verras que dans ta marche avec Dieu, tu vas perdre l'assurance. Quelqu'un peut dire amen. Tu chuteras pour un rien. Pour un rien, tu seras emporté. Et puis après, quand tu regarderas ta vie chrétienne, tu constateras que, franchement, tu es ridicule. Tu ne fais pas le poids. Et ça, malheureusement, c'est le cas de plusieurs. Paul dit, l'exercice de la piété est utile à tout. Elle est utile à tout. La piété t'aide à gagner dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On dit, elle a la promesse de la vie présente, mais aussi de celle qui est à venir. Elle nous garantit Dieu avec nous sur la terre, et puis finalement l'éternité. Quelqu'un peut dire amen. Matthieu chapitre 12, non 11, verset 12. Matthieu 11, 12, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous entendez cela? Il faut une dose de violence. C'est cela la discipline. Il faut que tu arrives à te priver de certaines choses. Vous savez, une chose qui fait que dans certaines religions orientales, ces gens-là sont capables de certaines choses, c'est la concentration, c'est la discipline. Vous verrez certaines personnes bouddhistes de leur état, ils se concentrent, on met le feu sur lui comme ça, le feu ne le brûle pas. Parce qu'il décide tout simplement dans son esprit de ne pas se laisser brûlé par le feu. Vous voyez des gens qui font des abnégations terribles. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent. Ils disciplinent sa pensée. Mais ça, c'est une chose grave, surtout pour les chrétiens modernes. On est dans un programme de jeûne et prière pour se concentrer sur les programmes.
démocrates que nous sommes. Les jeunes vont commencer, mais ça c'est dangereux, parce que dans l'estomac, vous savez, l'estomac sucre, va, il y a ce qu'on appelle le sucre gastrique, gastrite, et puis ça risque d'être c'est acidique. Quel chrétien qui regarde toujours au danger. Non, ça ne tiendra pas. Et puis c'est-à-dire comme ça, et puis ça ne marchera pas. Tu veux vivre une vie chrétienne véritable, kotisa zagé. Tu m'entends? Kotisa zagé. C'est ça. Alléluia. Les exercices que nous avons à faire, l'obéissance, la consécration, la sanctification, l'étude et la pratique de la parole, la prière, le service, toutes ces choses constituent des choses qui nous aident et nous maintiennent. Aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'église. Il a un peu plu. Non, il a pleuviné. Pleuviné. Aïe, pe église. Te kapa tout ma mamboule. Yo, so kin zamba tignon en boka neige. Yo, ok, église, yo. Na modelo yo, zaranango wana. Hein? Glace partout. Tu vas aller à l'église. Mais c'est pourquoi Dieu ne permet pas que tu aies ces visas-là. Et j'ai pris qu'il ne te les donne pas. Parce qu'il sait qu'il va te perdre. Déjà, na mboule, ok, ndakate. Mais nous n'avons pas besoin de visa. Ok, il y a neige, il y a des arabes à moins 30. Hein? Vous voyez, nous-mêmes, nous nous disqualifions. Nous-mêmes. Alléluia. Tu ne sais pas te discipliner, même sexuellement. Toi, pour toi, toutes les femmes que tu vois jolies dans la rue, elles sont à toi. Hey! Nous n'avons pas permettre qu'il y ait un Brésil. Et c'est que tu vas la rater. Mais tu vas revenir les pieds devant ici. Alléluia. Mes frères, il y a des choses. Si en secret, toi-même, tu ne les disciplines pas, quand tu seras en public, c'est fini pour toi. Amen. Vous savez, il y a un dicton nigérian qui dit, l'arbre qui souffre le plus dans la forêt, c'est l'arbre le plus élevé. Le plus haut de taille. Pourquoi? Parce que quand les vents soufflent, les autres sont au même niveau. Vous voyez? Ils se partagent la charge. Et puis ça balance. Mais c'est lui qui est là. Ça signifie aussi que frère, à un certain niveau, dans la marche avec Dieu, quand tu atteins un certain degré de leadership, s'il y a des choses que tu ne gères pas très bien en secret, sache-les. En public, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Aujourd'hui, tu te considères là. Ah non, ça ne fait rien. Tu as des manques de discipline sur la ponctualité, sur ceci, sur cela. Mais sais-tu qu'un jour, tu vas rater le travail pour manque de discipline, de ponctualité? Sais-tu ça? Y a-t-il des gens qui ont raté le travail à cause d'un manque de ponctualité, oui ou non? Ah. Ce n'est pas une génération spontanée. Hein? Ce sont des choses qui se cultivent. Hein? Ce sont des choses qui se cultivent. Les valeurs chrétiennes, si nous les pratiquons, nous serons des bons citoyens dans la société. Les valeurs chrétiennes, si nous les pratiquons à tous les niveaux, nous serons corrects. Mais si aujourd'hui tu ne te disciplines pas, bazotin d'ailleurs mon retour aux zones s'arrêter. Zela mokolo koza ministre de finances, okoyi bozomi kamwa. Hein? Dieu seul sait toutes les tares que nous voyons en public où ça a vraiment commencé. C'était peut-être dans les secrets. Je vous dis la vérité. Peut-être ce type-là qui vole là, qui est aujourd'hui Koulouna, qui entre dans les maisons, il a commencé dans la marmite de sa maman à la maison. C'est pourquoi en français on dit qui vole un œuf volera un bœuf. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le vrai problème, ce n'est pas la taille de la chose volée, mais c'est le vol. Si tu as déjà cet esprit de voler un œuf, un jour tu vas voler une grosse affaire comme ça, un bœuf. Quelqu'un peut dire amen. Apprenons à nous discipliner. Il y a des petites tares. Toi, tu appelles ça petit. Mais ce sont des choses qui finissent par ravager. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15 déclare. Saisissez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. On dit petit renard. Dis avec moi petit renard. En général, les choses qui font tomber les grandes personnes, ce ne sont pas des grandes choses. Ce sont des petites choses. Les petites choses. Tu n'as pas appris à discipliner ta bouche. Un jour, tu diras quelque chose de trop
qui va t'amener en prison. Tu n'as pas appris comment il faut vivre avec les gens. Un jour, tu commettras une gaffe, mais qui va te mettre dans une situation grave. Mais tout ça, la Bible nous l'enseigne. Si nous pouvons pratiquer ces choses, nous entraîner, nous exercer aux valeurs de Dieu, aux valeurs spirituelles, bien-aimés, nous serons des hommes faits, des hommes maîtres d'eux-mêmes, totalement maîtres d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on a des enseignements où on doit conquérir, on doit avancer bien. Mais en réalité, avant de conquérir des territoires, il faut te conquérir toi-même d'abord. Il n'y a que celui qui se maîtrise lui-même qui sera capable de maîtriser les autres ou de maîtriser autre chose. Il n'y a que celui qui se domine lui-même qui sera capable de dominer. Amen. Un homme a dit, sois le changement que tu souhaites. Ne sois pas là pour clamer. Il faut que ça change. Mais yo moko, otretakamwa si non dengini nandako. Tu vois? Au fin gakamwasi, au betakaye, au salakaboy. Mais devant les pays, là où sont les cas, en tant que nous, du parti tel, ça doit changer. Change toi-même d'abord. Les petits pays que tu as chez toi à la maison, là, tu les gères comment? Alléluia. La discipline. Dis avec moi la discipline. La discipline. J'aime ce mot, la discipline. C'est pourquoi vous voyez que certains sports sont appelés des disciplines. Pourquoi? Parce qu'il faut se soumettre à un règlement, à une manière de faire. Quand tu es au football, on utilise les pieds. Mais toi, tu es au basket, tu vas utiliser les pieds, disqualifié. Tu dois comprendre les règles de la chrétienté. Il y a des choses qui vont te disqualifier peu à peu. Si tu ne fais pas attention. Alléluia. Pourquoi j'insiste? Parce que c'est une vérité fondamentale dans la vie chrétienne. 2 Timothée 2, 5 dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Suivant les règles. Cinquième vérité. La vie chrétienne véritable en tant que course est une responsabilité individuelle. C'est-à-dire, personne ne va courir à ta place. Tu m'entends? Personne ne peut être chrétien pour toi. Personne. Avec le système de prise en charge que nous avons aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui croient que d'autres peuvent vivre la chrétienté à leur place. Toi, tu ne te sanctifies pas, mais tu veux que quelqu'un le fasse pour toi. Tu ne jeûnes pas, mais tu veux que quelqu'un jeûne. Hein? Imaginez en tant que pasteur, si je dois jeûner pour vous tous ici, chacun, je prends un jour déjà, mais je ne serai pas père de famille. Je dois mourir, normalement. Alléluia. Bozakapena mawabatu. Bozakana mawabatu. Kakope sabatu mikumba. Le vrai problème, en réalité, mikumbe zaki ya komema, c'était yabana mike na molimo. Mais il y a tata mokolono na molimo le roi ayote. Tu as 10 ans dans la foi. Ti lelo kaka. Pasteur, il faut na ya olandelanga ma bondeli. 10 ans. Ba landelo ma bondeli. On ne vit pas la vie chrétienne pour les autres. La vie chrétienne est une responsabilité individuelle. Dites Amen. Tu choisis de marcher avec Dieu. Gloire à Dieu. Tu choisis de ne pas marcher avec Dieu. C'est ton choix. Mais assume. Et vous savez, dans le domaine du choix, le plus dur, ce n'est pas de faire le choix. Tout le monde fait des choix. Mais le plus dur, c'est de supporter les conséquences. Tu sais, quand tu as choisi de t'habiller le matin, tu t'habilles. C'est toi qui es maître en ce moment. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit centre-ville. Après, vous avez dit que vous tu es sûr que ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, j'ai un oncle à moi, un jour dépassé par des problèmes, il a porté des chaussettes différentes. Il était directeur. Il va en réunion, il s'assoit comme ça. Directeur, les. Quand il se rend compte, il dit ah! Tout ce monde-là m'a vu! Mais vous m'avez laissé comment? Supporte les conséquences. Alléluia. Un acteur comique français disait, quand tu fais la, pense aux conséquences. Hein? Il y a des conséquences. Je peux vous assurer, nous sommes tous ici, tous chrétiens,
peut-être. Né de nouveau, peut-être. Membre de l'église, peut-être. Tous. Mais tous, nous n'aurons pas les mêmes niveaux. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit dans la Bible. Il y a beaucoup d'appelés, peu. Et ça a qu'à Ndengwana. Beaucoup d'appelés. Bayaké, belé. Mais Nasuka, très peu qui sont élus. Regardez Triomphe 21. On a commencé nombreux. Namsou Nanzela Bazokata. Bazokatana. Mais où Bazokatana? Asakana ba raison. Vipe za ka ba raison. Et au groupe, quand moi, que tiente mon opé, ça ba raison, ba raison. Tio souri na lui fait, on a ba raison. Mais Satan comprenne, parce que, oh, on a pénal, il fallait pas la commande. Si on a une faute, on a gâté. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Vie chrétienne, responsabilité individuelle. Choisis ce que tu veux seul. Agis en responsable. Tu n'accuseras pas les autres. Le syndrome de l'irresponsabilité, c'est d'accuser les autres, comme Adam. Il pêche quand Dieu lui dit, mais comment tu, qui t'a dit que tu es nu? Seigneur, la femme que tu m'as donnée. Donc on peut dire, c'est toi qui m'as fait, c'est toi qui m'as donné cette femme. Moi, je ne t'avais pas demandé. Donc, à ce moment-là, c'est l'inzambé, responsable. Il y a un zambé avec l'obana futur. C'est lui qui trouve. Abina, on compte à ce moment-là. C'est lui qui trouve. Va trouver toi-même. Amen. Choisis, mais en souka souka, assume les conséquences. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, avancer avec Dieu n'est pas quelque chose qui arrive tout seul. Ça ne viendra pas comme ça. Parce qu'on va à l'église, on lit la Bible et on prie de temps en temps. Non. Avancer avec Dieu, c'est un engagement personnel. Il faut que personnellement on m'y cotise ça. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens accusent les églises, accusent les serviteurs de Dieu. Na kekuna, mon problème n'angé juste solution té église on a besoin d'onction té. Lokuta nayo. Eza yondo za na problème. Mozoko c'est l'angue église. Alléluia. Oh pasteur on a besoin d'onction té. Non, ton vrai problème, yo moko zo mi kotisa té na likam. Toi-même tu ne t'engages pas. Mais tu veux que les choses se fassent comme par coup de bâton magique. Comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut payer le prix. Tu es venu nouvellement. Entre à la formation. Apprends. Laisse-toi apprendre. Laisse-toi former. Grandis petit à petit jusqu'à ce que tu atteignes un niveau de maturité. Mais les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent le syndrome de l'instantané. Comme on a du lait instantané, du café instantané, de la lumière instantanée, tout est devenu instantané. Même sur Internet, nous entrons en un clic. Clic-clic, tu entres. Clic-clic, tu entres. Maintenant, les gens pensent que je suis ici dans la chrétienté. Clic-clic, je monte. Clic-clic, je deviens grand. Engagement personnel. Dis avec moi, engagement personnel. C'est un engagement personnel. On n'avance pas comme ça. On n'avance pas en montant sur les dos des autres. Heureusement qu'il y a un Dieu dans les cieux qui rend à chacun selon ses œuvres. À chacun. Je vous informe que si Jésus ne revient pas dans les 10 prochaines années, vous allez aussi voir qu'il y en a qui seront disqualifiés. Il y en a qui seront aussi plus loin avec Dieu. Amen, amen. Vous savez, quand vous voyez le monde du football, aujourd'hui vous connaissez tel joueur, c'est terrible. J'ai un petit cousin qui a tenté d'entrer en cela, il est en Europe. Il m'a dit, grand frère, ici c'est autre chose. Nous sommes des milliers de personnes. Pour Bimizamou, toi, ils ont pété. Ils ont pété. Des fois, ce sont des petites choses qui disqualifient les gens. Des petites choses. Et tu vois, il me dit, il y a certaines attitudes mauvaises que nous avons acquises depuis le pays, mais qui viennent nous disqualifier ici. C'est ici qu'on se rend compte qu'on avait été mal formé. Et les conséquences sont là. C'est pour vous dire, frère, au début, on est toujours nombreux, mais à la fin, on est peu. Qu'est-ce qui va distinguer? C'est l'engagement personnel. Et en tant que pasteur, je peux vous le dire, je vois même dans l'assemblée, il y a des gens ici, dans les 5 à 10 ans prochains, si Jésus ne revient pas, je ne serais pas étonné de voir qu'ils vont voler haut. Parce que tu vois son amour pour Dieu. Tu vois sa consécration, tu vois son engagement. Mais Moussou Soupe, ce qui va être ici, c'est comme une boule de diamayala, n'a aucun mot. Pour modèle, nous sommes nés. Nous sommes nés, nous sommes nés. Nous sommes à moins en bas à la grâce. Mais ce qui est un modèle, nous allons continuer. Nous allons continuer.
Mes frères, nous le disons, ça peut paraître dur, mais c'est la vérité. Ça fait quand même 25 ans que je suis pasteur. J'ai vu toutes sortes de personnes. Toutes sortes de personnes, frères. Toutes sortes. Je vous parlerai des types de coureurs. Dans la course chrétienne, je vous parlerai de cela plus loin. Alléluia. C'est pour te dire l'engagement personnel. Sixième vérité, la vie chrétienne véritable en tant que course vise un prix final et éternel. Elle vise un prix final et éternel. Courir sans remporter le prix est un gaspillage de temps et de la vie. Amen. Courir sans remporter le prix est un gaspillage de temps et de la vie. Mes frères, Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 25, il dit tous ceux qui courent tous. 9, 24. Tous ceux qui courent dans un stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez des manières à les remporter. Courez des manières à les remporter. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, en vérité, dans la vie, ne vous engagez pas dans des choses pour aller échouer. Engagez-vous pour gagner. Alléluia. Ne te donne pas dans une entreprise pour aller échouer. Ne va pas avec la mentalité de dire non, je vais seulement essayer, mais va pour remporter le prix. De la même manière dans la vie chrétienne, tu es entré dans les choses de Dieu. Ne viens pas juste pour faire un tour de loisir. Viens pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Ça aura servi à quoi? C'est comme quand les fiançailles se rompent. Gaspillage de temps. Gaspillage d'argent. On dit bambon ou botchaki. Si tu bisous à mi bal, il te souffrera trop. Les frères, vous êtes là, non? Hein? Tu dépenses beaucoup pour aller la voir. Soit il va calculer en termes de transport. Mais ça peut faire les budgets d'une commune. Et puis, gaspillage de beaucoup de choses. En finalité, même gaspillage de photos. Les photos où vous étiez là. Vous étiez... Maintenant, on m'a mis des ciseaux. Il faut long, mais bon. Et comme il est compliqué. Gaspillage. Gaspillage. Courez de manière à remporter. Ne courez pas juste pour participer. Il y a des gens qui sont là. Ah, les sacés, les atouts participaient. Les sacés, les atouts participaient. Un langage des perdants, des losers. On ne vient pas dans la vie chrétienne pour y participer simplement. On y vient pour gagner aussi le prix. Dis Amen. Dis Amen. Au verset 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Mes frères, il y a une couronne au bout de la course. Il y a une couronne au bout de la course. Cette vie chrétienne, il y a une couronne au bout de la course. Qu'on ne te trompe pas, il y a une finalité. Ne rate pas la finalité. Tu peux rater beaucoup de choses, rater certains départs, rater certaines choses tout au long de la course, mais ne rate pas la finalité. Parce que si tu rates la finalité, c'est fatal. C'est fatal. Alléluia. Il y a une couronne. Il dit courez. Des manières à remporter. Lui-même, il dit dans Philippiens 3, 12 à 13, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais il dit, je cours pour tâcher de le saisir, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je cours vers le but. Et ici, Paul nous donne sa stratégie à lui. Pour remporter la course, il dit, oubliant ce qui est en arrière, il met son passé derrière, il choisit d'oublier le passé. On l'a vu ici. Il faut abandonner le vieux, l'ancien toi, foi, koufa. Celui que tu étais autrefois doit mourir. Bien-aimé, tu veux réussir la course. Ne continue pas à emporter l'ancien homme que tu étais, l'ancienne dame que tu étais. Refuse d'être cette personne-là. Alléluia. Vous savez, il est vrai que dans la vie chrétienne, on est quelque part conduit par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, si nous évoluons, nous avançons autant d'années après avec Dieu, c'est vrai, c'est sa grâce, mais jamais sans notre collaboration.
Sachez-le très bien. Ce n'est pas que la grâce de Dieu va venir là, tchou, comme, je ne sais pas moi, une influence qui entre en toi et puis elle te conduit. Terre. Paul dit, dans 1 Corinthiens 15, 10, il dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par sa grâce. Maintenant, quand il dit, je suis ce que je suis, vous croyez qu'il avait croisé les bras? Non, au début lui-même l'a dit, j'ai travaillé plus que tous. Il est bon que la grâce soit associée au travail, ça fait un boom. Est-ce que vous me comprenez? La même chose, quand dans la vie chrétienne, la grâce vient, mais elle trouve un homme responsable, cette grâce-là va aller loin. Mais si la grâce vient, elle ne trouve rien, elle n'apportera rien. Parce que d'elle-même, elle ne va pas tout faire. Elle a besoin d'un homme ou d'une femme responsable. C'est en cela qu'il a choisi, il a fait un choix. Il oublie son passé. Ensuite, il prend un engagement ferme. Et puis, il se focalise sur l'espérance finale. Il dit, je cours. Il dit, je n'ai pas atteint, mais je suis là dans la bataille. Je suis là en train de courir, en train d'aller, en train d'avancer. Bien-aimé, c'est une responsabilité à prendre. Où tu te dis, tu es déterminé. Je suis ici pour atteindre le prix final. Je suis ici pour atteindre l'objectif final. Qu'on ne te trompe pas. Avec Dieu, il y a des choses aussi. Si tu ne te concentres pas sur elles, tu ne les atteindras jamais. Vous savez, c'est ça l'importance d'avoir une cible, d'avoir une vision. Quand vous avez la vision vous communique des forces. Quand vous avez une vision, un objectif, quelque chose que vous voyez devant vous, bien-aimé, advienne que pourra. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui est venu pour gagner. Même s'il est en train de perdre, mais il fera tout pour renverser la vapeur. Alléluia. Vivez votre vie chrétienne avec l'objectif final. Regardez le prix final. Et soyez prêt à tout s'il le faut pour pouvoir atteindre cela. Il y aura certainement des choses dont vous devriez vous détacher. Il y a des relations que vous devrez refuser. Il y a des choses que vous devrez, auxquelles vous devrez dire non. Mais tout ça, vous payez le prix. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix final à remporter. Je ne veux pas rater ce prix-là. Pour rien au monde, je ne veux pas rater ce prix-là. Et moi, à moi de vous dire ce matin, au-delà de ma bien mais dis à ton voisin, mais au lati qui t'occupe, c'est besoin d'Atalio. Seigneur, ma femme, alléluia. Mais t'occupe-t-elle na Lola? Je peux l'aimer n'importe comment, mais je ne vivrai pas ma vie chrétienne pour elle. Vice versa. Est-ce que vous me comprenez? Les hommes qui se consolent. Oh non, j'ai une femme qui est servante, hein, mais ça ne fait pas de toi un homme qualifié. Je prêche à un monsieur, je lui parle de Christ. Il dit non, mais moi, c'est mon cambi. L'église n'a pas maman président. Gabi papa, nazo lobelo maman te yo, yo. Batouba na moli moko diembe la na vie à batoumou sous trop. Diembe sa voisin, tika diembe las. Alléluia. C'est vrai. Moli moko zobaninga bapunda na bango. On veut toujours être sûr. Ça, c'est le signe de l'irresponsabilité. Nous devons tous finir dans l'éternité. Dites Amen. Dites Amen. Courez tous des manières à remporter le prix. Et ici, j'aimerais terminer en parlant de la manière de remporter. Mes frères, il y a toujours une manière de faire. Une manière. La manière, c'est quoi? C'est une tendance. C'est un élan. Alléluia. 1 Corinthiens 9, 24. Tous courent dans un stade. Mais tous ne remportez pas les prix. Courez des manières, allez, courez des manières. Le bas manière, tendance, le bas tendance, élan. Dis-moi, quelle est ta manière de courir? Je te prédirai ta finalité. Tu vois? Regarde ta manière de courir. Comment tu cours? Comment tu cours? Comment tu cours? C'est comme un élève, il est à l'école. Comment il étudie?
après les classes, il est toujours dans les amusements. Lo ying. Tendance soana, et ça moi passe à zoa. Mais moussous, classe ici, à zongi. Herbaninga bazo se pabite, nasa la sieste. Fait la sieste, se repose, se lève. Et puis après, prend ses notes, commence à les revoir. La tendance. Il y a une tendance. Quelle est ta tendance dans la chrétienté? Quel est ton élan? Quelle est ta manière de vivre ta vie chrétienne? Regarde un peu. Aujourd'hui, tu as combien d'années dans la foi? 5 ans? 10 ans? Une année? 20 ans? Dans toutes ces années que tu as passées, comment tu as vécu ta vie chrétienne? Hélas, il y en a qui vivent une vie chrétienne en dents de scie. Au moins, la vie chrétienne, voilà, à l'obi 10 ans, c'est vrai. Mais moi, 2 mois, je suis à peu. Et puis, à Erozong. Et puis, tant que je suis à côté, je suis à Zong, je suis à charnel. Et puis, à qui? Ezamabe, Ndeko. Tendance. Tendance. Tu vois un athlète, aujourd'hui, il est fort. Le lendemain, il est faible. Après, tendance. Tendance. C'est la tendance qui va déterminer la finalité. Alléluia. Vous avez vu, même en politique, on va vers les élections, n'est-ce pas? Dans des pays sérieux, on fait quoi? Les sondages. On est déjà en train de sonder. On ne dit pas que c'est ça, mais on peut voir déjà les tendances. On voit les tendances. On voit les tendances. Amen. Amen. Oyazana matoya koyoka. Oyazana mote marobomba. Liloba nzambe wana. Nzambe apambola bino. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Qu'on soit sincère, lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent vraiment aux chrétiens de la Bible ou ils ressemblent au mondain? Tant que tu n'iras pas au-delà, rien à signaler, tu verras 10 ans.